Plop les gens, plop YouTube, plop Peertube. Tout de suite, on reprend Dungeons. La fin de Yeina Outrefière. Les armées du mal lancèrent l'assaut sur Dolaran. Mais la perfide Yeina Outrefière s'était téléportée avec Crowley au plus profond de la ville. Talia se préparait à mener ses troupes droit sur le cœur économique de l'Empire. C'est parti, du coup, on joue en mode infernal, comme d'habitude. On peut avoir des balrogs, du coup, donc les titans démoniaques d'attaque susceptibles de causer des dégâts extrêmes, possèdent la compétence anneau de feu. Donc au final, on a eu un balrog la fois d'avant, si je me trompe pas. Crowley, c'était un balrog. Enfin, c'est un balrog. Et du coup, cette fois, on va pouvoir en construire. Donc, je suppose que ça va coûter cher. Mais voilà. Alors, donc, terminer la mission. Crucifière, loutre. nous n'avons pas le temps. Détruisez toutes les fissures arcaniques dans la fin de Yeina Outrefière. En 60 secondes maximum. D'accord, 60 secondes. Quand là, tout de suite, je sais pas ce que c'est. Ça risque d'être compliqué. Enfin, pour le premier run, évidemment. Ne laissez pas l'énergie du cœur de donjon tomber sous 75%. Alors, des fois, c'est facile. Et des fois, quand ils le mettent, c'est qu'il y a... C'est comme avec... Grimly, où il avait ses marteaux qui tapaient directement le cœur et du coup c'était pas si facile que ça. Bref, on lance tout de suite. Les compétences des créatures, j'essaye d'enlever les orques qui font cette tête baissée en ayant moins de PV, mais. J'oublie souvent. Tandis que l'armée du mal marchait sur Dolaran, la dirigeante de la cité et sorcière à mi-temps, Yeina Outrefière, combattait le balrog Crowley dans un combat épique. L'énergie magique flottait autour d'eux alors qu'ils s'attaquaient sans relâche. Ça suffit. Aucun démon ne pourra m'arrêter. Puissance du dollar, ouvre-toi. La magie du chaos traversa Crowley et le bannit dans une prison de mana. Il lui serait difficile d'en sortir seul. Vraiment ? Nous avons passé tant de temps à essayer de libérer cet imbécile, tout ça pour qu'il se laisse bannir ? Pas dû se fatiguer pour cet idiot. Votre allié démoniaque est banni. Maintenant, c'est votre tour. Voyons si votre donjon apprécie mes fissures arcaniques. Des déchirures de l'espace-temps apparurent dans le donjon. L'énergie du cœur de donjon semblait attirer les arcanes chaotiques des fissures. L'énergie magique jaillit des fissures pour transpercer le cœur de donjon. Bon, à l'évidence, il faut détruire ces machins. Mais comment faire ? La violence, c'est toujours la solution la plus évidente, pensa le mal en ordonnant à ses créatures d'attaquer les fissures arcaniques. Bizarrement, ça donna vraiment des résultats. Comment s'appelle le scénariste ? Vous les avez détruites ? Bah, il me suffit d'en recréer. Laissez-moi 2 secondes, histoire de boire une potion de mana ou 2, et je suis à vous. Vous me le paierez ! Ok. Voilà, on se remet en partie. Donc, on a une salle au trésor qu'on peut grandir très rapidement. Voilà. La horde est ici, avec les, enfin la cachette est ici avec les dindons juste à côté. Ici on peut peut-être agrandir la salle. Tac, comme ça. Je sais pas trop, mais ça va faire une salle intéressante. Enfin, faut que ça fasse une salle intéressante, en tout cas elle est de taille intéressante. Donc l'entrée est là, c'est la seule je crois, pour le moment en tout cas. Elle est ici sur la carte extérieure. On a un vortex. On a quoi alors, déjà, maintenant qu'ils ont fait ça, agrandir la trésorerie. Ma fille, c'est moi, Thanos. Ton démon a été banni. Maintenant, il serait temps d'arrêter et de... La ferme ! La ferme ! Il doit bien rester un peu de bonté au fond de ton cœur. La 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 la, je n'entends pas ! Ce n'est pas très adulte de ta part. Enfin, de ma part. Enfin, bref. Et alors ? Il devrait arrêter de m'énerver. Bon, il nous faut un plan.
Je propose qu'on détruise le reste de la ville et qu'on en finisse avec cette sorcière. Et en bonus, on peut libérer Crowley au passage. Forcément. Une place de plus. Ça, si vous avez l'habitude de me regarder mes parties, c'est un peu comme d'habitude, la mise en place. Donc j'ai essayé de la faire pendant le scénario. Essayer d'avoir deux nagas et deux tanks. Je préfère avoir deux tanks et un seul gobelin, mais on en fournit deux par défaut. Donc voilà. Et les deux nagas, c'est comme ça, elles peuvent se soigner entre elles et pendant les combats, surtout au début de la partie, c'est pas trop. Restez là. Ça, c'est pas très grand quand même. Ça mériterait peut-être presque d'être agrandi à toute cette zone. Comme ça. C'est un poil grand quand même. Pour juste des couchettes. Enfin, des couchettes de démons, mais ça reste des couchettes. Qu'est-ce que je vais faire? Que je reprenne un petit peu mes marques. Je peux prendre. Non, tout ça. Il faut vraiment que je prenne tout de suite la fontaine, mais la fois qu'ils sont en train de se soigner. Le cimetière, c'est intéressant aussi d'en avoir un. C'est toujours sympa d'avoir un petit cimetière comme ça. Peut-être pas ici, c'est un peu grand. C'est pas mal sur le trajet, le fait qu'il soit sur le trajet, c'est pas mal. Du coup. On va regarder ça déjà. On va se permettre d'explorer un petit peu avant de le placer. Alors qu'il fait tout le tour pour aller taper la novice. Parce que je lui ai dit que taper la novice c'était le bon plan. Toujours s'attaquer aux soigneurs en priorité. Il est tank en dernier quand on peut. De mana, de vie, malfaisance. Que puis-je faire pour vous? Voilà. Du coup, on va se mettre ici. Que je vérifie. J'ai l'impression qu'il n'y a que le chemin là. Ouais, donc en fait, si je pose mon armée là, théoriquement, on peut jamais m'attaquer. Hop là, restez ici, vous n'êtes pas encore soigné. Donc là c'est la ville ennemie. Là je vais essayer d'attaquer le. Soyez sans peur, brave héros de Tolaran. Renvoyez le mal d'où il vient. Exactement ce que j'allais dire. Le hall des héros qui fait en sorte. Je suis la reine du mal. Vous souvenez pas? Ok. Qui va m'attaquer en permanence, donc va falloir aller le prendre. En fait, c'est un grand labyrinthe, enfin pas un labyrinthe, mais une grande spirale. On est à l'extérieur, après on prend donc ça, et on remonte petit à petit. Non. Hop là, je savais pas qu'en cliquant droit sur la barre. Voilà. J'ai plus beaucoup de torques, les autres sont quasi morts. Ouais, il y en a un qui est mort niveau 2. C'est pas trop grave niveau 2. Il faut pouvoir mourir.
Hop, on rend place tout de suite, merci. Oui. Ah, les deux sont marqués. Tac. Je vois un petit peu du gruyère. Du gruyère. Ça va peut-être mieux avancer dans ce sens-là. Peut-être pas sur toute la largeur. Mais je cherche les emplacements intéressant pour le cimetière si possible. Oui, j'étais revenu aussi pour faire un deuxième arc. Oui. Ah, bah voilà un deuxième film. Quelque chose comme ça. Une salle comme. On la mettra là. Hop, on explore par ici. On explore par là. J'ai l'impression qu'ici ça va être une sorte de piège. Ici, trésor. Quoi? Alors vous, encore vous êtes soigné. Quoique du coup le cimetière alors que. Alors qu'on va garder notre armée dehors tout le long et que du coup y a personne qui va venir mourir dans chez nous. Je suis pas sûr. Je suis plus si certain que ce soit la meilleure idée. Et on se remet sur le chemin. Non, bah non, là c'était pas un. C'est pas un troll, c'est bien un filon. Du coup, je vais le mettre ici au cimetière. Ça me paraît bien. Oula, faut augmenter la taille de la ferme de dindon. Et va falloir augmenter le nombre de grouillots parce que je leur demande de creuser tout. Et... voilà. Pour une fois, c'est les sous qui me manquent pour améliorer Talia à ce niveau-là. Ça. Ça. 250, 150. Séjour de paix. Une salle a été mise au jour dans le souvenir. C'est où? Ici. D'accord. Je suis la reine du mal. Tous les bons doivent mourir. Pas avancer autant en fait à la base. Voilà. Parce que faire mourir les tanks c'est rigolo, mais si c'est en boucle c'est vite cher. Hop. Il va me falloir
la cavabière, il va falloir... R. Grotte du bricoleur. Je sais pas si elle sera très très utile, mais okay, il manque des sous. Oui, il faut des sous. Go. L'atelier. Oh. Il me manque 25. Même pas en entièrement. Même pas entièrement 25. Voilà. Si je peux avoir ça, c'est parfait. Voilà. Donc vous vous attaquez. 2 minutes avant que y ait les fissures de Yeina. Yeina, outrefière. Oui. Il y a toi que je peux améliorer aussi. Ça améliorera vachement beaucoup en fait. Par contre, faudrait que tu les fasses. Faudrait que tu fasses ton sort. Ah! D'accord, il y avait ici qui. Le camp de héros ici avant celui-ci. Alors ça, perforation d'armure. Le mal, c'est moi. Alors perforation d'armure. Je préférais que ce soit un démon qui l'ait, comme ça il peut respawn avec. Si jamais il lui arrivait malheur. Ça, on va regarder soit un démon de base, soit un archéiste. J'aimais bien les succubes, mais pour les succubes fallait aussi que les pour cette salle là surtout, la chambre de torture, voilà, il fallait que les ennemis meurent dans mon donjon. Mais je me souviens plus si les ennemis meurent pas dans mon donjon, mais sont si rentrez vite fait. Surtout que dans 16 secondes, je me fais attaquer. Si les ennemis meurent en dehors, je crois que, enfin, si la succube est dehors, je crois pas qu'elle les fait attaquer. De donjon se fait attaquer. Ah, il y en a un troisième. Des ennemis se trouvent dans votre donjon. Ah, prends ça. Ok. Ça, le succès, c'est faire en sorte que. À chaque fois que ces trucs-là, ils meurent en moins d'une minute. Regardez, ils sont 75%. Je suis presque passé en dessous. Là. Déjà. Donc ouais, avoir des démons, ça va être indispensable. Et ce sort-là, pour revenir très vite.
350 et 200. Ok, il va me falloir... Ici c'est pas mal, une brasserie. Vous savez, j'ai toujours pensé que ce sort de fissure arcanique était inutile. Mais en fait il est parfait, et on peut l'utiliser pratiquement sans risque contre des cibles du sous-monde. Ça te fait rire, hein? Alors... je peux commencer par mettre des portes. J'aurais dû commencer ici. Parce qu'ils en mettent jamais assez. Ils en produisent jamais assez vite. L'atelier... Tu les emmènes où, tes caisses, toi? Pourquoi tu fais tout le tour au lieu de passer par là? Ça va bloquer le passage. Mais tu vas où? Tu vas où? Ah! Construire la brasserie. Ok. Ça me va. Ça me va. Du coup, vous pouvez sortir, je suppose, maintenant. C'est quoi ça? Réduction de salaire. Très bien. Hop. On va creuser ça en plus. On fera une salle des bains. Les bains, c'était combien par combien? Non, c'est R. 2 par 2. 1, 2, 1. 2, 2. Voilà. Et surtout, avant, il faut ça, et c'est 3 par 3, mais manuel. Okay. Les ennemis se trouvent dans votre donjon. 3. 3 par 3. Comme ça, on peut peut-être même faire ça. C'est parce que ça fait aussi espace de stockage. Cimetière. Voilà. Avec le cimetière. C'était quoi la salle juste à côté qui est intéressante? La prison. Le problème, c'est que là, j'ai. On va faire là la prison. Vos grouillots ont découvert un nid de dragon. Là. Alors, tu t'en vas, tu restes en vie. Toi aussi, tu restes en vie. Toi, c'est moins grave. Tant que t'es sous cet état-là. Toi, par contre, t'es en train de tout tanker. Parce que lui, quand il va mourir, il va se transformer en gobelin sans armure. Sans méca. Voilà. Guerrier de tous ces PV. Ok, ça devrait aller. Oh, c'est un film d'or. Oh,
Oh la salle de ridicule dégueulasse. Je peux pas faire une porte là. Oh, j'aime pas. Alors ici, on avait dit chambre de relaxation. Ici d'abord, on avait dit ça. Et voilà, on ne lésine pas sur les moyens pour faire des caisses. On en fait des caisses. Parce que il n'y a jamais assez de boîtes à outils. Jamais. Là, on va pas débloquer. Prison. Ça c'est sympa aussi. Alors, prison. Et là, je suis quand même assez embêté. Parce que je voulais faire ça, quoi. Du coup, si les succubes sont intéressantes, je viens d'y réfléchir, vu que j'ai laissé quelques personnes passer. Voilà, normalement, avec les zombies, ça tanque bien. Ah, du coup, est-ce qu'une trésorerie comme ça, ça passerait? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ce... Enfin, pour la production de... Pour la production de l'arc... Arcanium, je ne suis pas sûr que ce soit très bien, mais bon. Hé, hey, Talia, je me demande si je vais vous renvoyer à votre père en un ou plusieurs morceaux. J'ai toujours pas réussi à me décider. Très gentil de ta part. Succube. Et on va faire tout de suite une succube. Enfin, des Munchak, c'est parfait. Je sais plus quelle taille ça prenait. La... Ah, je l'ai pas encore débloqué. Oui. 350, ouais. Un peu de temps avant, surtout que je réussisse à faire un arcanium, oui, très vite. 8 caisses quoi. Bon, on voit ça. C'était un truc de dégâts. Sans perforation d'armure. Ouais. D'accord, très bien. J'ai pas fait gaffe à la tour. Au moins, il n'y a pas les bricoleurs là.
Alors, ça se passe bien, les gobelins ont tanké, n'ont plus besoin de sortir leur mecha. C'est parfait, enfin pour le moment. J'attends vos ordres. Prends ça. S'il y en a un qui a dû descendre de mecha. Rentre. Et toi, rentre aussi. Et là, lequin, je le vois pas ici. C'est bonus d'armure. Bonus d'armure, par contre, pour les tanks, ça, je prends. Le mal, c'est moi. Tac, non, toi, faut que t'ailles là. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé ici? Bonus de coup critique. Très intéressant pour toi. Voilà. Toujours zéro caisse. Donc j'ai masse de thunes. Voilà. Donc là je peux pas avoir plus de gros que ça. Ça, elle est trop petite, d'accord. Je crois que c'est en fonction aussi qu'il faut laisser de la place libre pour qu'il travaille. J'avais un peu oublié ce détail. Enfin, pour qu'il puisse s'entreposer plutôt. C'est jour de paix. Hein? Ils sont où? Ah mais ils sont tous rentrés, oh, c'est pas grave. C'est pas grave. Une minute trente si vous rentrez. Vous rentrez. Donc là on a les archers en plus. Attends. Les araignées ont envahi le donjon. Super. Oh, les vilains. Le filon infini, il est bloqué. À un seul grouillot peut travailler dessus à la fois. C'est bon, vous êtes là? Non, je ne veux que ceux qui peuvent mourir. C'est grave s'il meurt. Ils apparaissent, il y en a un là. Je sais qu'il y en a d'autres. Défendez le cœur de donjon. Ah, il y en a un ici. Ils s'en occupent, ils s'en occupent. Mais ils essayent. De la bière, il y en a 16 sur 16, donc c'est parfait. Est-ce que j'ai perdu des gens? J'ai pas l'impression, je vois toujours 7. C'est pas les 7 d'origine, mais il y en a toujours 7. C'est donc suffisant. Voilà. Ça devrait se terminer là-dessus.
Alors, j'ai assez pour... On pourrait probablement négocier. Oh, arrêtons de faire semblant. Négocier avec qui? J'ai déjà brûlé la moitié du pays. Des ennemis se trouvent dans votre donjon. Les araignées ont envahi le donjon. Oh, super. Oh. Ça m'agrandit tellement ma salle. Toi là. Même pas de défense encore. Ça devrait aller, lui il est bien en train de régène, c'est bien ce que je voulais. Laisser Talia se battre, mais je suis sûr qu'elle serait pas contre un peu d'aide. Un petit peu, c'est quand même des araignées, quoi. Les deux gobelins, faut qu'ils aillent se régénérer. Et normalement... Ah, deuxième. Deuxième diamant infini. Bon, bah en fait, ça va être une énorme salle. De stockage de... Non, c'est pas logique. Donc ce serait par là. Là, je vais mettre une salle, mais j'attends de voir un peu la taille. Alors. Jour de paix. Ah, et ici aussi. Voilà. J'attends de débloquer les... Mais je l'avais déjà débloqué. Donc, la chambre de torture. En plus, je l'ai vu, je l'ai aperçu. 3 par 3 automatique. Donc 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est beaucoup en fait. Déjà comme ça, ça veut déjà dire que je peux prendre une deuxième succube si j'ai les. C'est où ? C'était bien là. Mais il faut d'abord. Que je réserve une nouvelle place dans mon... avec mes amis. Hop. Voilà. Alors, et ici en plus. Très bien. Je les avais vus, ceux-là. Des ennemis se sont introduits dans le donjon. Que je n'avais pas encore vu. Très bien, on ramène tout le monde. Combat à l'intérieur. Il y aura quelques héros normalement qui rejoindront mes rangs. Je l'espère. Bienvenue à eux.
J'ai pas assez de bière, c'est ça? Pas de tonneau disponible. C'est quoi ça? C'est 16 tonneaux de bière? C'est juste qu'il a. Je l'ai jamais laissé. Allez, là, oui. Je l'ai pas laissé y aller. Ça, je veux bien. Mais il y a de la bière. On vient de pas me mentir. Alors, si je regarde, ils sont tous à peu près, ils ont tous récupéré. Je pense qu'on peut y aller. Donc là, ils les attachent. Okay. Violent là, alors, les taper comme ça. On peut peut-être prévoir en avance tout ça. On va prévoir quelques portes aussi. Ici, j'en ai besoin d'une. Ah, il veut pas ici. Ou alors, c'est qu'il faut d'abord mettre une case d'atelier ici qui était bloquée quand il y avait les araignées, mais plus normalement. Non, c'est qu'il faut que je suis à zéro. Go, go. Go. Et tu vas pas y manquer toi non plus. 70 boîtes à outils que je peux avoir en stock, ouais. Ouais, 70 boîtes à outils. Ça en fait. Là, 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 là. Ah. Et j'appuie. Bah on y va. Hop, c'est le moment d'aller jusqu'ici. Il y en a pas des masses, mais je pense qu'en vrai ça suffit. Toi, tu veux pas faire. Il était temps que nous détruisions Yaina et sa fichue ville. Cette mission commence vraiment à s'étirer. Oui, ben écoute. Voilà. Déjà les squads, s'en est occupé. Est-ce que j'ai quelque chose? Non, quelque chose dans le sous-monde. Non, j'ai pas grand chose d'autre que je peux faire. Prendre les sorts, tout ça, mais. Je peux prendre tout ce qui est défense, bien sûr. N'est pas indispensable, donc je vais m'en dispenser. Petit à petit, l'armée du mal conquit toute la ville. Attendez, ce n'est pas Crowley là-bas? Cet idiot s'est laissé enfermer? C'est invraisemblable le temps que ce demeuré nous aura fait perdre. Enfin, on peut toujours l'utiliser comme chair à canon. Libérons-le! Vraiment? Je veux dire, un prince des enfers, c'est un peu dangereux, et... Dangereux? Ce n'est pas mon impression. Il a détruit les murs de la ville, puis s'est laissé bannir. J'ai le sentiment que n'importe quel gobelin de mon armée aurait fait mieux. De toute façon, ferme-la, gentil Talia. Bon, j'ai déjà conquis la porte de la muraille, alors que... je ne l'ai pas enfoncé. Là, c'est un point un peu névralgique à défendre. De toute façon, on est obligé de le débloquer pour débloquer les balrogs après, je suppose, quand on l'aura déverrouillé, lui. Vous pensez que c'est fini? Je suis Yaina Outrefière, et au nom de la Lune, j'arracherai votre cœur. J'ai encore quelques tours dans mon sac pour renforcer mes fissures arcaniques. Nice.
essayé de m'éloigner de tout cela, mais j'ai pris un peu trop de temps. Quoique, il n'y a que lui qui est tombé de son armure. J'ai l'impression que c'est un peu beaucoup bugué les canons sur cette mission. Enfin, que ça ne fonctionne pas comme avant en tout cas. Là, j'ai deux chemins. J'ai l'île de malfaisance juste ici, d'accord. Okay. On va se mettre là. Ok. Comme ça, ils vont attaquer la porte, se soigner, et après, j'attaquerai plutôt là-bas. Là, j'ai plus beaucoup de place. Hein. J'ai peut-être deux places, une ou deux places. Tac tac, il y a des portes de partout. Même toi, c'est bien. Ici et là. Ici, forcément, il y en a déjà. C'était le début. Ça, c'était le plus proche. Quoi. Et vers la prison et le cimetière. Voilà, je crois qu'il y a des portes de partout. On va pouvoir commencer à mettre des pièges. Alors, qu'est-ce qu'ils m'ont trouvé comme un bonus de dégâts normal? Oh, je savais que vous feriez appel à moi. C'est vrai que j'aurais peut-être pu donner un bonus de dégâts à Talia aussi, vu qu'elle est respawn. S'il faut. On fait revivre. Oh! Je l'avais pas vu lui. Je fais le laisser derrière si je regardais pas ma carte. Des ennemis se sont introduits dans le donjon. Alors, c'est celui-là. Non, lui c'est bon. Il y a une, oui, une info quoi, parce que je, une info qui est pas très mise à jour, mais il y a une info. De donjon se fait attaquer. Voilà, ça devrait aller. Je sais pas à quel point. Ouais, non, 7000, c'est bon, les 75%, c'est mort. Par contre, peut-être que j'aurai les 1 minute si j'ai bien compris qu'il fallait aller. Et détruire à chaque fois en fait. Donc le 75%, c'est mort. D'ailleurs, ça me fait penser que la salle de conférence de mémoire, il y a un espace parfait pour l'agrandir parce qu'elle était, elle donnait assez peu de parchemin dans, avec la taille qu'ils avaient donnée par défaut. Ici et là. Non, ici on s'en fiche des portes. Et cette salle du coup de recherche permettait d'améliorer
plein de conférences, voilà. Elle permettait d'améliorer. Ce qu'il y a de pire avec cette engeance maléfique, c'est l'odeur. Et on va devoir se cogner ça jusqu'à ce qu'on les repousse hors de Dollaran. Vous n'avez jamais entendu parler de douche? Et du coup, certains des parchemins de mémoire qu'on pouvait prendre, c'était améliorer les PV max et la régénération. Et du coup, si on a ça, forcément, ça devient tout de suite beaucoup plus facile de garder les PV du monde à niveau correct, du cœur de Donjon. Donc, si on fait le test, recherche, et effectivement, fortifie votre cœur de donjon en augmentant son énergie vitale de 100%. En plus, on peut le faire 3 fois, c'est ça. Et votre cœur de donjon soignera automatiquement tous les dégâts au bout d'un moment. J'aimerais que mon foie fonctionne comme ça, toute régénération augmentée de 100%. Donc si j'avais fait ça, c'est comme ça que je verrais ici la mission pour pouvoir avoir pour pouvoir tout avoir dedans. Les ennemis se trouvent dans pour pouvoir débloquer cette mission là. Qu'est-ce qu'il y a? Faut obtenir davantage de créatures, 2 meutes au total. Oh oui. Vos banshees crient plus fort, on dirait des ados qui rentrent du lycée. Leur portée augmente de 50%. Ah, c'est pas mal. Les succubes, on peut quoi? Réduit le délai de récupération de la compétence enchaînement. Les instruments de torture plus pédagogiques augmentent les chances de conversion de 100%. Oh, ça c'est bien. Pressoir à doigts. Le mal missionnaire 1. Convoquer plus de héros que le mal n'est pas si mauvais que ça. Vous pouvez maintenant convertir jusqu'à 4 héros. Non. Ah, ok. Vous permet d'obtenir de la malfaisance plus rapidement quand vous torturez des héros. Améliore la vitesse de torture de 20%. Très bien, ça peut être bien. Est-ce que sur cette recherche. Oh! On peut avoir plus de parchemins par pupitre. Intéressant. Sinon, là, j'ai perdu du monde. À part Talia. Non. C'est sur 7. Lui par contre bientôt. En fait c'est qu'il manque les soigneuses. C'est sûr que sans soigneuses, le combat c'est plus difficile. Est-ce qu'on peut augmenter le nombre de hordes dans la prison aussi? 2 meutes de... Ouais. Il faudrait que je fasse ça avant d'oublier. Voilà. Il y a beaucoup de recherches et je les ai un peu, beaucoup, ignorées dans les parties d'avant. Du coup, je suis pas à jour sur ce qu'elles permettent de faire. C'est bon, ils sont retournés. Talia aussi. Ah, c'est dommage. En espérant aussi qu'il n'y en ait pas qui soient passés à travers les mêmes. Et ça. Je le saurais difficilement. Enfin, je le saurais quand ils arriveront, s'ils arrivent.
pas cumuler les recherches. Ah oui, augmenter l'armure, oui, oui, pourquoi pas. Le coût en mana de réanimation est réduit. Plus c'est loin, plus c'est mal. Augmente la portée de vos diablotins. Plus ils sont très forts déjà de loin. Un peu plus d'organisation permet de stocker davantage de mana. Oui, c'est pas mal ça. Avec réduction. Ces jours de paix. Ah, c'est pour déverrouiller le sort, ok. Ok, pourquoi pas. Enfin, pourquoi pas, mais flemme, surtout. Je suis la reine du mar. Alors, c'est quoi ce soif étanché? La créature n'a plus besoin de bière. Toi. Le mal triomphera. Voilà, ça m'embête un petit peu la baliste. On va essayer. Avec toi. On a encore 6 minutes avant la prochaine. Prochain sort. Parce que là, autant il y a le canon, mais il y a surtout la baliste qui m'embête beaucoup. Canon et baliste, le canon va mourir tout de suite, donc c'est pas trop gênant, mais fallait surtout que je supprime les tanks un peu plus loin du combat. L'armée du mal se répandit dans tout Dolaran. D'ici peu, la ville leur appartiendrait entièrement. Bah c'est le but, hein. C'est le but. Logiciel de nom d'objet aléatoire. J'ai désormais une baguette de fissure arcanique du canard resplendissant de la mort mortelle du grizzly végétal. Maintenant, vous allez voir. Ah oui, générateur de nom aléatoire, effectivement. Ça me rappelle quelque chose, c'est bien ce qu'ils font les zombies là dans le sous-sol. Est-ce que. Non, j'ai pas de prisonnier. Oh, réduit de 50%. Je veux surtout voir si les bains comme ça, qui font juste des petites bulles, on les voit tourbillonner comme réellement. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Plus de mana stocké. Ok. Non, je peux pas rechercher plus tout de suite. Et c'est bien Minerva, tu as l'insigne honneur de venir en première ligne. On va t'attendre quand même. Tu es là. D'accord, ici il n'y a plus de. Ah, sélectionne l'or, clique sur l'or, prends l'or. C'est là le travail des grouillots vu qu'ils sont lents. Non. Voilà. Kitana. Ça me rappelle qu'il y a un certain jeu qui est en train de sortir. Il me semble que l'un de leurs persos s'appelle un peu comme ça. Ah.
Marco. Le mal était entré dans le quartier où Crowley était retenu prisonnier. Quelques piliers des arcanes semblaient maintenir sa prison. Ceux-ci seraient brisés en quelques coups vigoureux et libérer le Balrog de sa jauge. Vous y avez vraiment cru? Surprise! Fissure arcanique! Prenez ça, et ça, et ça, et ça, et ça! Peut-être qu'on devrait s'occuper de ces machins en premier. Sinon, ça va piquer. Moi. Qu'est-ce que vous faites tout seul? Je dis surtout, c'est que ça va piquer si j'ai pas la, le sort pour rentrer dans ma base. Crowley était libre. Le Balrog émit un puissant rugissement en guise de remerciement. Puis se décida à passer un savon aux enfants de cœur. Une vraie lessive collective. Ok, maintenant rends-toi utile. On ne t'a pas invoqué, aidé et libéré pour rien. Yeina. Vous m'entendez? C'est l'heure. L'heure de mourir. Eh bien, venez, Elfe Noir. Et nous en déciderons une fois pour toutes. J'ai déjà vaincu votre démon de pacotille une fois. Je ne ferai qu'une bouchée de vous. Pourquoi il y a deux passages vers la ville? C'est pour que je me fasse avoir, c'est ça? Génère des flammes autour du Balrog pendant 10 secondes, les ennemis compris dans le cercle sont embrasés et subissent 96 points de dégâts. Ah oui, quand même. Non. Tous les bons doivent mourir. Pas non plus, 96 points de dégâts pendant 10 secondes. Ils vont pas apprécier. Merci. Maintenant, vous allez dans le sous-monde, vous avez 40 secondes. Est-ce que j'ai quelque chose à faire? Pas forcément. Ce serait bien qu'il fasse celui-là en priorité, et puis ça, je transforme deux. Pour plus que ce soit une trésorerie, mais l'arcanium, j'apprends. De donjon se fait attaquer. Troisième. Voilà. Et ça devrait à peu près le faire. Quoique, même là, hein, les 75%, ça fait combien 75% de 20 000? Je pense que là. Pas bien non plus quoi. Deux grouillots. Repose. 2000. Ah, c'est lui qui a été le moins miné en fait. Plutôt. Quoique là, il y en a qu'un qui peut travailler. De toute façon, il me reste 6000. Il était temps que nous détruisions Yaina et sa fichue ville. Cette mission commence vraiment à s'étirer.
Oui, ça fait deux fois que tu le dis, je sais. Puis-je tuer pour vous? Est-ce que... Non, je les ai pas vraiment encore débloqués, les Balrog. Il faudrait que je fasse ça encore. Les nagas... On monte la portée des nagas. On monte les soins des nagas. Non, les bains relaxants. Toi, t'es augmenté au max. Du coup, les bains relaxants, ils n'ont pas l'air, en tout cas, de tourbillonner. Très bien. C'est par là-haut. Non, en fait, non. Oh, punaise. Je suis la reine du mal. Oh, punaise. Tous les bons doivent mourir. J'ai une nagaie qui est morte en instant. En même temps, j'ai fait un aller-retour. Juste du bourriner. Surtout quand je vois les dégâts que fait Talia. Que puis-je faire pour vous? Ok, et si je viens ici, il y a la même chose, c'est ça? Il y a le même comité d'accueil? De soins. Oui, d'ailleurs. Tac. Okay. Ah mince. Attends. Thanos doit mourir. Pour la naga, ils sont passés par derrière, ils ont détruit le portail. Du coup, si je la fais venir, elle va mourir. Face à cette troupette. Normal. Ok. Jour de paix. Ah, Talia, vous êtes finalement venue jouer. Je vous attendais. Évidemment, vous m'attendiez. Nous nous sommes déjà affrontés aux portes de la ville si votre cerveau de moineau arrive à s'en souvenir. Ah, c'est vrai. Bienvenue à l'Académie magique de Dolaran. Voilà votre première leçon de duel magique mortel. Alors commençons par une introduction. La mort! Alors, comment ça se passe? Les ennemis rentrent dans mon maison tout de suite. Des ennemis se trouvent dans votre donjon. Elle a réussi à elle toute seule à en soigner. Vous en voulez encore? Vous pensez que ça suffira pour me vaincre? Je vais vous offrir un monde de douleur. Oh oh. Si je prends la Naga qui est dans le souterrain, c'est toi. Je te dis de venir ici. Non! Je l'ai? Ok, 1, tu viens là. Ok. Live déjà. Oula. Bon, ça suffit maintenant. Vous allez subir le pouvoir réel de Dolaran. Vous allez mourir. Défendez le cœur de donjon. Ils défendent ce qu'ils peuvent, mais qu'est-ce qu'elle fout là-haut?
vous allez mourir. Mais je ne laissais jamais les pull-up, quoi. Ouais. Un peu triste. Votre cœur de donjon se fait attaquer. Oui. 4. Tac. Tiens-toi. Mettre un pot de fer à l'intérieur. Quoique non, j'aurais dû mettre un gobelin. What? Pourquoi ils font le chemin à l'envers eux? Pourquoi t'es là toi? Quoi de neuf? Se fait attaquer. C'est pavé. Hop, hop. J'attends vos ordres. Pas de soucis ici. J'avais pas assez de. Enfin, mon cœur de donjon. La seule chose qui va m'améliorer, il a baissé. Ce sera le taux de change de la malfaisance. Alors. Des ennemis se trouvent dans votre donjon. Monstres ont passé le mur. 99 et on en enferme un et hop, plus que 98 à découper en petits morceaux. Il y a aucun rythme en français. J'espère que ça sonnait mieux en anglais quand même. Mais là, c'était nul. Hop, hop, hop. Au milieu, tout est là. Les bouillons ont découvert une nouvelle salle. Je m'en doutais tellement. Ici. Ça va, ça me dérange pas. La forme est conforme à ce à quoi je voulais la faire ressembler. On va mettre une porte ici. Et il faut absolument très vite que vous me fassiez un mort. Est-ce que vous pouvez mettre une porte là? Oui, très bien. Jour de paix. Là, on peut mettre normalement. Non. Alors là, ça ferait quoi? Un bon bouquin empêche aux créatures de s'ennuyer, excepté pour les tours de garde. La seule chose qui va chuter à Dolaran, ce sera le taux de change de la malfaisance. Mmh. Piège magnétique, il permet de clouer un moment sur place les repos à l'armure lourde. D'accord. Bassin de goudron, les ennemis ralentis, non. Flammeur rotatif, réchauffeur qui sort du sol. Là c'était quoi? Capacité de stockage, oui. Oui, gagner du soin, pourquoi pas. Et ça permet de découvrir la porte renforcée, bof. Enfin oui, pourquoi pas, pour le chemin. Écraseur pour ma foi. Écrasé.
catapulter des ennemis dans les airs alors que nous sommes dans un donjon. Ici, celui-ci, je voulais le mettre là. Déjà, pour commencer. Ensuite, on peut tester l'écraseur. Oh, permis de stocker. Bref, 50 par tuile, oui. Ouais, ouais. Des caisses. Alors. Je vais vous exploser. Des ennemis se trouvent dans votre donjon. Pas de tonneau de bière. Tu te fous de moi. J'en ai largement en rab. C'est reparti. Ouais, d'accord, ça va jusqu'ici. Hein. Voilà, j'ai mes pierres. Ça, c'est l'écraseur. Entre deux murs qui inflige des dégâts à tout ennemi placé sur la tuile située au milieu. On peut le mettre au-dessus des pièges à pointe. Non, mademoiselle. Hop là, et porte renforcée. Alors. Non, t'enlèves ça. Et des portes renforcées. On a dit ici. Et là. C'est maintenant 5. Allez, on bosse. On tape plus fort avec son petit maillet. 72 beauté au tigre. Enfin, après, qui sont déjà. Ah, elle est morte. Très bien, très pas bien. Plutôt. Maître canonnier. Oui. Tiens, remplaçante x2, oh là, c'est triste quand même par contre de perdre les deux. Retrouvez-vous ici plutôt. Séjour de paix. Permet d'obtenir de la malfaisance plus rapidement. Oui, mais là maintenant j'en ai largement assez. Vous savez, j'ai toujours pensé que ce sort de fissure arcanique était inutile.
Mais en fait, il est pas. Dolaran surmontera toutes les crises. Enfermer un héros de plus par tuer l'intérieur de la prison. Ouais, mais... J'ai une banshee normalement quelque part qui traîne. Normalement. Voilà. Vortex. Quelqu'un pour travailler ici hein. D'ailleurs tant qu'on va prendre un oui. On va prendre un deuxième. Parce que là ils ont suffisamment de caisses pour ne juste pas vouloir travailler quoi. Vous allez mourir. Des souhaits. 50% seulement, par contre, c'est bizarre. Et puis, je peux pas faire des balrogs moi-même, quoi. Je vois que j'ai le vortex ici qui prend masse de place. Même là, dans les recherches, quoi, il y a sa place ici, mais c'est tout. Bref. Voilà, ce serait bien que vous arrêtiez de marcher dans le vent et que vous soigniez. Surtout que les ennemis arrivent tout de suite. Non, mauvais, mauvais, mauvais. Et voilà. Le mal laissa échapper un flot de grossièreté lorsque Crowley tomba sous les coups du bien. Mais ça ne changeait rien à son incompétence. Je détruirai cette terre. Oh là là, oh là là. Le mal semblait indifférent à la nouvelle mort de Talia. Elle reviendra, certes, mais il devrait faire un peu plus attention à elle. Qu'ils me détruisent le portail de l'autre côté, c'est pas grave. Voilà. Mais là, j'ai perdu tout le monde. J'ai racheté tout le monde, mais. Hop. Dolaran surmontera toutes les crises. Si tu le dis. J'ai pas mal de. Qu'est-ce qu'ils sont apparus vu qu'ils sont enfin libérés? Ah, il y a une. Ok. Faites les portes.
Voilà. Des ennemis se trouvent dans votre donjon. Oh, les ennemis. J'espère que vous appréciez être accueillis à coups de boules de pierre. J'ai même pas vu à quoi ressemblaient les écraseurs. C'est jour de paix. Du coup, faut augmenter d'une case. Allez, vous aussi là, travaillez plus vite. Ah, ils veulent pas. Hein. Ils ne veulent pas. 74 sur 72, quoi. Oh là là. Dolaran surmontera toutes les crises. Bon là, j'ai l'impression de traîner beaucoup, mais en même temps, à chaque fois que j'essaie de sortir, c'est la merde. C'est la merde. Vous allez sortir ici. Virgule. Alors, il faut deux comme ça. Il faut toi. Non mais. D'accord, je peux pas. Bon. Plus simple, on va faire. Le mal vient toujours d'en haut. Voilà, toi tu rentres et... il est où ? Toi aussi. Minerva... Non, Jeanne. On frappe les uns, à coups de trick, on emballe les autres, sur des pics. Ouais, je devrais peut-être voir ce cri de guerre. Voilà. Donc tout ça, maintenant, le c'est mon armée. C'est moi. Normalement, avec tout ça, ça devrait bien se passer. Juste que j'ai plus aucune défense si besoin. Voilà, déjà mon tank qui est là. Il est mort, elle est morte. Mes tanks sont morts. Ah ouais, quand même. Quand même vachement de monde qui est mort juste pour une rencontre aléatoire, quoi, au final. Baphomet, c'était pas censé être... comment il s'appelle déjà ? Crawl ou un truc comme ça ? Ok, il se régène. J'attends vos ordres. Hop. Alors, on va juste les mettre très rapidement ici. Pour qu'ils se mettent en armure. Les gobelins. Gobelins. Allez, et voilà. Alors, pendant que j'y pense. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Ça c'est fait, ça c'est presque fait, mais on s'en fiche. Ça n'augmente pas les dégâts. Il est confortable. Projectile magique, volez et détruisez-la.
Non. C'est là qu'il faut aller. Je suis un peu... saut. Alors... éveil des morts-vivants... Non... Oh, une barrière qui peut arrêter les ennemis, ça peut être bien. Ça, ça peut être très bien. Pluie de flèches, pourquoi pas. Création d'un don, non. Création de caisse, non. Ça. Jour de paix. Il y a un gobelin qui a péri. Si, mais j'ai totalement oublié. Chuter à Dolaran, ce sera le taux de change de la malfaisance. Si, si, si. Veillez. Ça. C'est un peu. Non, j'ai beaucoup de temps de démon. Voilà. Ça devrait beaucoup mieux se passer à partir de maintenant. Est-ce que... Parfait. Quoi de neuf ? Et ici, je n'ai jamais fait de trésorerie. Ok, cette trésorerie-là, on peut la démolir et construire à la place l'Arcadium. Tac, tac, c'est bien tout démoli. J'ai pas de thunes. Wow, ça faisait bizarre l'effet. Ouais. Dolaran surmontera toutes les crises. Alors cette crise-là, je ne pense pas, mademoiselle. Je sais pas. Petit gros doute comme ça. Hein. Tel quel. Non, ça c'est bien. Voilà. Énormément. Vous savez, j'ai toujours pensé que ce sort de fissure arcanique était inutile. Mais en fait, il est parfait. Et on peut l'utiliser pratiquement sans risque contre des cibles du sous-monde. Ici, hein.
que là, je sais pas si ils sont toujours vivants les canons, mais ils font peur. Pili 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 pili. Très bien, toi bien. Oui. Très bien, un héros. Je vais pas me plaindre. Projectile magique, volez et détruisez-la. Flemme de tout ce qu'il prend, mais. Allez. Elle balance des sorts, mais c'est juste la voix, quoi. Il n'y a pas de sort, évidemment. Ou alors c'est la zone là qui. Il y a plein de sorts en vrai, qui sont activés pendant que j'étais pas là. On va passer par en haut. Pas trop fait gaffe qu'il y avait ça ici. Quoi, j'ai pas de poulet? Non. D'autant plus. Que puis-je faire pour vous? Quelques zombies et quelques squelettes qui traînent ici et là. C'est jour de paix. Ça coûte combien? 2000. Moitié de mes stocks. Bon, sinon la demoiselle, on l'attaque comment? Ah, elle redescend. Comment t'as fait pour monter toi? Projectile magique, volez et détruisez-la. S'est fait pousser là-haut. Immunisé, d'accord. Tricher. Immunisé, c'est tricher. Enfin. Le temps, je l'ai quand même eu, ce succès. Ça devait finir comme ça. Pour paraphraser un célèbre philosophe, la finance n'est pas la solution. La finance est le problème. On pourrait la transformer en l'un de nos morts vivants. Quelle idée merveilleusement monstrueuse. Même moi, je trouverais ça amusant. Vraiment? T'es pas censé être la gentille, toi? Ma foi, je ne peux pas stagner éternellement. Je vois bien que nous avons sombré du côté obscur. L'ennui est épuisant. T'essaies de me piéger, là. Ma fille, qu'as-tu fait? D'abord Grimly, et maintenant Yaina. N'espère plus aucune pitié de ma part. Je te trouverai, et je t'arrêterai. Mon armée est en route vers Dolaran. Et ensuite, nous parlerons. C'est ça, viens te battre! Vous savez que je n'aime pas interrompre les dialogues. Mais Thanos était un adversaire très puissant. Talia n'était pas encore de taille. Il n'y avait donc aucune honte à fuir, le temps qu'elle gagne en puissance. Espèce de couard. Très bien, retraite. J'ai besoin d'une pause après cette bataille. Eh ouais, j'ai été 30 minutes plus long que la moyenne du monde. Mais bon, la moyenne, je crois que ça compte la deuxième partie, etc. Mais
c'est souvent on la fait un peu plus vite les deuxièmes parties, même si je ne les enregistre en général pas. Non, en fait, je les enregistre pas. Il m'arrive de les streamer, les parties où j'essaie de faire les succès, mais je ne les enregistre pas. Ouais. Projet de recherche déverrouillé, j'ai vu 99. Ouais, pas de grève. Ouais. Bah, j'ai fait une belle industrie, mais qui n'était pas efficace au combat à avancer vers l'ennemi. Du coup, on a perdu beaucoup de temps, mais sinon, j'avais masse de thunes, masse de malfaisance, j'avais tout ce qu'il fallait. Enfin bon. On laisse la petite. L'armée du mal prit Dolaran par la force et s'empara du cœur de ses habitants. Littéralement, un passe-temps étrange, mais pas plus que collectionner des timbres. Et la vaillante Yeina Autrefière donna les raves et regarda la cuillère en bas. Cela ne voulait rien dire. Oui, c'est le genre de choses qui arrivent quand vos traducteurs n'ont qu'un diplôme Google Traduction. Bon, assez de digressions. Yeina était morte, et Talia et l'armée du mal levèrent le camp avant que Thanos arrive. Peu après, ce dernier vint se recueillir devant les corps de ses compagnons. De nouveau, il exprima sa peine d'un « Non !» retentissant, très semblable à celui qu'il avait poussé à la mort de Grimli. Bien sûr, cela n'avait rien à voir avec le budget studio un peu serré du jeu. Pendant ce temps, la flotte appareilla pour le continent. Une fois l'armée sur la terre ferme, Talia mit le feu au navire capturé. Elle n'en avait aucune utilité immédiate. Eh oui, les méchants ne sont jamais très prévoyants. Puis l'armée du mal cruel s'enfonça profondément dans la campagne vers un endroit appelé Sérénité. Armes de jet à roulette fixe, Termitière était en ruine. Mais le mal n'avait pas encore terminé sa tournée internationale de la destruction. Son prochain spectacle devait se produire dans la petite ville de Sérénité. Le mal débarqua non loin d'elle. Voilà, et ça sera pour la prochaine fois. À plus la VOD.